Est-ce que tu es déjà sorti de la maison sans caleçon? Oui, oui. Parce qu'il y a souvent des vêtements qu'il faut porter sans caleçon. Pas, t'as pas. Mes 18 ans. 18 ans? Mm-hmm. Vraiment? Oui. Comment étape c'est? Vous savez qu'étape c'est? Oui, parfois, je sors constamment sans caleçon. Bon, tu peux dire le nombre de fois que tu es sorti sans caleçon? Je ne peux pas compter. Continue. Salut les amis. Alors aujourd'hui, Rago Jeune vous fait une introduction parce qu'on vous présente notre nouveau présentateur. C'est Auguste. Auguste, un mot pour les abonnés. Oui, Rago Jeune, c'est une chaîne de divertissement. J'invite tous les jeunes de ce quartier, de cette ville, de ce pays à vous abonner à cette chaîne. Lâchez un like, abonnez-vous et partagez pour le soutien. Merci beaucoup. Alors Auguste, s'il faut donner un message aux abonnés, qu'est-ce que tu leur dirais? De rester connecté, rester scotché parce que du nouveau arrive sur Rago Jeune, c'est bien ça? Exactement, restez scotché, abonnez-vous, partagez, likez, partagez au maximum. Alors les internautes, aujourd'hui Rago Jeune diversifie son contenu. On n'aura pas seulement Auguste, on aura Hermine, on aura Cathy qui seront aussi des présentatrices sur Rago Jeune. Et on espère que vous allez aimer la bombe qui vient derrière. Je vous remercie, peace! Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je métisse. La question qu'on aimerait savoir, nous et nos internautes, c'est est-ce que tu as sorti sans caleçon dans la maison? De la maison ou dans la maison? Sorti de la maison. Bah, parfois ça arrive en lance de juste pour aller acheter quelque chose. Donc tu as sorti sans caleçon? Mais ça arrive. Waouh! On peut connaître combien de fois tu as sorti sans caleçon? Waouh! Je n'ai pas compté, peut-être une, deux fois. Waouh! Deux fois. Donc quand tu n'as pas compté, peut-être même sept fois même. Bâti une ou deux fois, c'est que tu es même plus de cinq fois. Ah, c'est vrai que ça se programme pas, donc voilà, je dois faire un peu vite fait. Tu lances le vêtement que tu trouves et voilà. J'ai dit sans caleçon, hein. Nu. Est-ce que j'ai entendu dire nu? Ouais. Ouais. Donc tu maintiens que tu es sorti plus de deux fois nu? Non, je suis pas sorti nu. Sortir nu, c'est sortir sans être habillé, mais. Ouais. Ok, ok, je te remercie. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Fampi. Moi c'est ma belle. Enchantée ma belle. Plaisir Bataille. Ma belle, belle comme toi. Ok. En fait, si nous t'accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, nos internautes aussi, est-ce que tu es déjà sorti de la maison sans caleçon? Oui, oui. Pourquoi? Parce que tu partais chez le gars ou bien? Non, non, ça dépend de l'habit que je porte. Il y a les habits qui me poussent à le mettre sans caleçon. Oui. Et j'ai rencontré une fille là qui m'a dit que non, le caleçon ça la dérange. Elle sort elle chaque fois que sans caleçon, elle n'aime pas le caleçon. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi? Non, non, moi le caleçon ça me dérange pas. Moi je marche sans caleçon en fonction de l'habit que je porte. En fonction de l'habit que tu portes un collant par exemple, c'est sans caleçon. Oui, oui. Mais si tu portes un pantalon jean, tu portes le caleçon. Oui. Par exemple. Moi je porte surtout le caleçon quand je saigne. C'est vrai! Non, si tu ne saignes pas, tu es sans caleçon. Oui. D'accord, je te remercie, ma chérie. Okay. Comment tu vas? Je vais très bien. Moi, c'est Auguste. Moi, c'est Autrui. Ok. Ce qu'on veut savoir, nous et nos internautes, c'est ceci. Est-ce que tu as déjà eu à sortir sans caleçon? Tu as eu à sortir sans caleçon? Bien sûr. Ah, bon, ouais. Ouais, parce qu'il y a souvent des vêtements qu'il faut porter sans. Tu es déjà sorti de la maison sans caleçon, tu as eu à le faire. Ah, l'autre là-bas était petit quand même. Ah, ok, c'était petit, mais à part ça, tu n'as plus jamais sorti sans caleçon. Non. Ok, même par erreur comme ça, là, même quand il pleut, quand tu te poussures, on va te fouetter, tu n'as jamais reçu ça. Non. C'est jamais arrivé. Ah, ok, ok, je te remercie. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Auguste. Etienne. Enchanté, Etienne. Enchanté. Ok, ce qu'on devrait savoir, toi et nos internautes, c'est est-ce que tu es déjà sorti de la maison sans caleçon? Oui. Vraiment? Oui. À quel âge ça ne dérange pas? Mes 18 ans. 18 ans? Mm-hmm. Vraiment? Oui. Sans caleçon, hein? Oui, nu. Sans caleçon. Nu? Oui, tu as sorti nu. Ah, sans caleçon.
caleçon où je porte la robe ou c'est... Bon, sans caleçon, sans caleçon. Oui, c'est assorti sans caleçon. À 18 ans. Oui. Et ce n'est qu'à l'âge là que tu sortis sans caleçon. Non, parfois je sors constamment sans caleçon. Bon, tu peux dire le nombre de fois que je sortis sans caleçon. Je ne peux pas compter. Ah bon? Oui. Waouh, tu ne peux pas compter. Ok, donc ça veut dire que je sortis même 10 fois, 15 fois, tellement de fois. Oui, sans caleçon. Ok, je te remercie. Ok, merci. Ma chérie. Moi, c'est Auguste. Salut. Ok. C'est quand nous internautes, moi, souvent, on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as sorti sans caleçon? Non. Jamais de la vie. Tu es sûr? Oui. Dieu est internautes, nous croyait. Donc, si tu manques à me connaître, même celui qui t'a il va connaître. Oui. Vraiment. Même par erreur comme ça, même quand tu étais petit, tu n'es jamais sorti. Non, tu étais petit, je ne me rappelle pas. À part, tu n'es plus jamais sorti. Jamais. Ok, je te remercie. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Auguste. Audrey. Ok, enchanté, Audrey. Bon, la question qu'on veut savoir, nous, c'est est-ce que tu as sorti sans caleçon? Non. Jamais de la vie. Même quand tu étais petite. Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Donc, juste que tu ne penses pas, tu n'es pas sûr. Dans ta connaissance, même petite. Ok, je te remercie. Tante Karine. Ok, ce que les internautes et moi, on pourrait savoir, c'est est-ce que tu as déjà sorti sans caleçon? Non. Jamais de la vie. Jamais. Tu es sûr? Bien sûr. Tu es les internautes, voyez. Oui. Si tu m'en vas connaître, donc si quelqu'un te reconnaît là, tu te reconnais parmi les internautes, il va dire que tu m'en vas, il va t'insulter. Donc, tu es un témoin. Beaucoup de témoins. Vraiment. Vraiment. Même étant petit, tu n'es jamais sorti sans caleçon. Donc, on voulait te fouetter, puis tu fuyais la maison. Jamais de la vie. Jamais. Ok, je te remercie. Merci. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Auguste. Marie. Enchanté, Marie. Oui. Bon, la question qu'on aimerait te poser, c'est un dîner, c'est ça. Que pense, est-ce que tu as sorti sans caleçon dans la maison? Sans caleçon. Oui, sans caleçon dans la maison. Non. Jamais de la vie. Jamais. Vraiment? Vraiment. Tu es sûr? Oui. Dieu et les internautes voyaient. Oui. Si tu manques, même quelqu'un va te reconnaître, il va t'insulter. Ça ne te dérange pas. Oui. Donc tu assumes ce que tu dis. Même quand tu passes chez le gars, tu passes sans caleçon. Attends, oui, je passe sans caleçon. Voilà, bon, je peux te demander combien de fois tu as eu à partir sans caleçon. Tu peux dire combien de fois tu as partir sans caleçon. Incomptable. Wow, incontable. Donc ça peut même aller à 1000 fois, ça ne dérange pas. Bien sûr, jamais. Bon, ce qu'on aimerait savoir, nous internautes, c'est est-ce que tu as sorti sans caleçon? Non. Jamais de la vie? Jamais. Jamais de la vie? Jamais. Jamais? Jamais, à part quand il porte le collant. Voilà. Mais c'est déjà sans caleçon, non? Sans caleçon. Ok, bon, tu peux dire le nombre de fois que tu as sorti sans caleçon. Bon, trois fois. Trois fois. Tu maintiens. Donc devant Dieu et les internautes, tu ne manques pas. Je ne manque pas. Vraiment. 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 Ok, je te remercie. La voix des sans voix. L'éclaireur de conscience africaine.